Aujourd'hui dimanche, je vous accueille, chers téléspectateurs, dans cet espace de réflexion et d'analyse des Écritures, en vous souhaitant la bienvenue et que le Dieu de paix soit avec chacun de vous pour la croissance en grâce de Jésus. Aujourd'hui, nous aurons à voir ensemble Paul, auteur de lettres. Nous allons prier pour que le Seigneur nous accompagne dans ce moment d'étude. Nous nous adressons au Dieu très haut, celui qui nous aime tant, qui a investi dans l'œuvre du salut des hommes en se donnant en la personne de Jésus et qui tient dans son amour éternel à nous réconcilier avec lui. Voilà pourquoi il a utilisé des hommes comme saint Paul pour envoyer des lettres d'amour, des lettres de demande de réconciliation. Et nous voulons aujourd'hui étudier ces lettres, étudier ces écrits de manière à répondre adéquatement à son amour. Puisse notre Dieu, le Dieu de paix, de bonté, de miséricorde et de grâce, nous tenir par la main et nous guider dans la vérité et qui nous donne des cœurs disposés à étudier, à comprendre et à respecter ses souhaits. Nous prions ici au nom de Jésus. Amen. Dans 2 Pierre 3, versets 15 et 16, voici ce que nous dit l'apôtre Pierre en ce qui concerne l'apôtre saint Paul. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Donc Pierre avait l'habitude, lui aussi en tant qu'apôtre, de lire les lettres de Paul, parce qu'il dit que dans ces lettres, il y avait des points difficiles à comprendre. Et c'est lui, l'apôtre Pierre, un homme rempli d'Esprit Saint, qui a été en direct avec Jésus pendant 3 ans et demi, dit que Paul a écrit des choses difficiles à comprendre parfois. On comprend pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, nous avons autant de dénominations chrétiennes qui se basent sur les écrits de Paul pour leur croyance, pour leur doctrine, pour leur organisation. Pourtant, Paul, qu'est-ce qu'il voulait? L'unité de l'Église. Et si, comme l'apôtre Pierre nous dit, nous ne sommes pas bien affermis, nous allons passer à côté de ce que Paul souhaitait justement. Et le danger, ce serait de nous trouver bien loin de ce que Paul avait lui-même dans sa pensée et comme objectif. Ainsi, Pierre nous invite à prêter attention, mais surtout demander à Dieu de nous aider à ne pas tordre le sens des Écritures. Car en fait, en tordant le sens des Écritures, on ne tord pas Dieu, on ne tord pas le diable, mais c'est soi-même qui se dévie de la droiture. Notre cœur est tortueux. Si on cherche à satisfaire notre cœur et chercher un évangile conforme à notre cœur ou qui encourage notre cœur dans la mauvaise direction, nous nous piégerons nous-mêmes. Voilà pourquoi nous devons être disposés à vivre notre Père où Jésus nous a dit de dire à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si nous voulons vivre au ciel, on doit s'appliquer à faire comme au ciel. Alors, que nous indiquent ces versets sur la manière dont l'Église primitive considérait les écrits de Paul? Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la manière dont l'inspiration opère? Nous voyons effectivement que l'Église primitive considérait avec respect les écrits de Paul et que ces écrits circulaient partout dans les églises, puisque l'apôtre Pierre, qui n'était pas toujours dans le sillon de Paul, avait eu l'occasion de lire ces écrits.
parce qu'on lisait les écrits de Paul dans les églises à tour de rôle. Quand une église a ouvert, reçu un courrier, elle lisait, ensuite envoyait pour l'église d'à côté, et ainsi de suite, cette parole faisait autorité au sein des églises. Donc, nous voyons que l'inspiration, comme Pierre l'a dit, c'est le Saint-Esprit qui pousse les hommes à parler de la part de Dieu. Saint Paul, Saint Pierre étaient tous deux inspirés, mais on voit chacun par rapport à son domaine de travail. Et Pierre, qui travaillait avec les Juifs, en lisant ce que Paul disait aux convertis revenant du monde des gentils, disait qu'il y avait des points difficiles à comprendre pour un Juif. Oui, difficile à comprendre, mais que celui qui est païen comprenait, acceptait et appliquait, parce que l'évangile est simple. Mais c'est lorsqu'on a des a priori, on a déjà une certaine opinion préconçue, alors ce qui est nouveau est toujours vu avec suspicion. Mais il faudrait que l'on sache qui apporte cette nouveauté. Et c'est pourquoi Paul va présenter l'autorité qui est derrière ses écrits pour que ceux qui sont lecteurs ou auditeurs puissent croire non pas l'individu Paul, mais l'inspiration et puissent aller dans la bonne direction. Quand Paul écrivit aux Galates, il n'essayait pas de produire un chef-d'œuvre littéraire. Sous la direction du Saint-Esprit, Paul répondait plutôt à des situations précises qui le concernaient, lui aussi, ainsi que les croyants de Galatie. Les lettres comme Galates ont joué un rôle essentiel dans le ministère apostolique. Missionnaire auprès des gentils, Paul a fondé un certain nombre d'églises disséminées dans toute la Méditerranée. Il les visitait chaque fois qu'il le pouvait, mais il ne pouvait rester au même endroit très longtemps. Pour compenser son absence, Paul écrivit des lettres aux églises afin de leur donner des conseils. Avec le temps, des copies des lettres de Paul furent partagées avec d'autres églises. Et nous trouvons dans Colossiens 4, verset 16, « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Et quand vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. » Donc, nous voyons comment les écrits de Paul circulaient au sein de toutes les églises. Et Pierre a eu l'occasion de lire ses écrits, et c'est pourquoi il parle de toutes les lettres de Paul dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Donc, si l'inspiration ne guide le lecteur, alors il peut se trouver en difficulté. En tout cas, comme on l'a vu, Paul cherchait constamment à redresser des travers de compréhension, des travers de comportement pour amener les chrétiens à un bon fonctionnement. Bien que l'on ait perdu certaines lettre de Paul, au moins 13 livres du Nouveau Testament portent sa signature. Comme le montrent les paroles de Paul ici, dans Colossiens 4, verset 16, à un moment donné, ces écrits ont été considérés comme des écritures. Cela montre que son ministère a été reconnu comme faisant autorité assez tôt dans l'histoire de l'Église. À un moment donné, certains chrétiens croyaient que le format des lettres de Paul était unique, comme un format spécial créé par l'Esprit afin de contenir la parole inspirée de Dieu. Cette idée changea quand deux jeunes intellectuels d'Oxford, Bernard Grenfell et Arthur Hunt, ils ont découvert en Égypte environ 500 000 fragments de papyrus anciens, des documents écrits sur du papyrus qui étaient très utilisés plusieurs centaines d'années avant et après Jésus-Christ.
En plus de certaines des copies les plus anciennes du Nouveau Testament, ils ont trouvé des factures, des accusés de réception, des reçus fiscaux et des lettres personnelles. À la surprise générale, le format de base des lettres de Paul s'est révélé commun à tous les auteurs de lettres de son époque. Le format comprenait premièrement une salutation liminaire qui mentionnait l'expéditeur et le destinataire, puis une salutation. Deuxièmement, une parole d'action de grâce. Troisièmement, le corps principal de la lettre. Et pour finir, quatrièmement, une remarque de conclusion. Donc, Paul, on peut dire, était un écrivain comme les autres écrivains. Et il y avait un format commun pour écrire, tout comme aujourd'hui aussi, on trouve ce même format, donc l'entête, l'objet, le destinataire du courrier, ensuite le développement du texte, puis les salutations et la signature. Donc ça, c'est le format actuel. Ainsi, au temps de Paul, il y avait un format que ceux qui écrivaient utilisaient. En bref, Paul suivait le format habituel de son temps en s'adressant à ses contemporains par l'intermédiaire d'un support et d'un style qu'il connaissait. Si la Bible devait être écrite aujourd'hui, d'après vous, quel type de support, de format et de style le Seigneur emploierait-il pour nous atteindre? Il nous faut dire que Dieu, il contextualise ce qu'il dit par rapport aux individus, aux lieux géographiques et historiques. Et c'est pourquoi à chaque époque, Dieu vient rencontrer l'homme là où il est, à son niveau, s'adressant à lui pour se faire comprendre. Donc aujourd'hui, Dieu pourrait bien utiliser les méthodes informatiques. Parce qu'aujourd'hui, le support, il est lors du numérique. Donc, Dieu, il s'est révélé dans le temps, en songe, en vision, et on a mis sur parchemin, papyrus, ce qu'il a révélé. Aujourd'hui, ces supports n'existent plus. Nous avons tablette, nous avons ordinateur, et... Si Dieu devait utiliser un prophète actuellement, eh bien certainement, les choses auraient été rédigées sur ordinateur ou sur tablette. En tout état de cause, quand Dieu se révèle, il donne sa volonté et peu importe le support de l'écriture, ce qui importe, c'est ne pas modifier ce qui a été reçu, qui doit être appliqué tel quel. C'est la recommandation que Paul faisait aux Galates. C'est la même recommandation qui demeure pour nous. L'évangile est inamovible parce que Dieu est immuable. Voilà pourquoi nous n'ajoutons rien, nous ne retranchons rien, mais nous disons que ta volonté soit faite. Prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci d'avoir utilisé ces hommes du passé avec les moyens qu'ils avaient. Tu as permis que ta volonté, ta révélation soit consignée par écrit, car dit-on, la parole s'en va, mais l'écriture reste. Et ainsi, nous avons aujourd'hui avec exactitude ce que tu avais dit il y a 3000 ans, 2000 ans, et nous voudrions aujourd'hui, à la fin des siècles, être conséquents avec ce que tu as dit, toi le Dieu éternel. Veuille guider nos cœurs, nos pensées, et que nous puissions analyser ta volonté et chercher par ta grâce et la puissance de l'Esprit à nous y conformer pour que nous puissions finir devant ta face irrépréhensible au moment venu. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.